en direct du Dada avec Isabelle Bresse. Bonjour. Bonjour. Alors Isabelle, un numéro entre 1 et 30. Je sais compter jusqu'à 8, donc je vais dire 7. 7. Les armoires en chêne massif. Vous en avez une chez vous? Je crois que j'en ai une parce que je viens d'acheter une maison de campagne et les gens qui me l'ont vendue, qui divorçaient à 80 ans passés, m'ont laissé tout leur mobilier dans la maison. Ça prend de la place, non? Ouais, mais la maison est énorme. C'est dur à porter? Je crois vraiment que j'ai porté une armoire en chêne, moi. Je l'ai repeinte. C'est facile à placer dans un décor? Elle est dans une chambre, là, actuellement. Ouais, c'est une vieille armoire. Ça va, c'est pratique pour ranger des choses. Dans un appartement parisien, je pense que c'est moins pratique. Mais à la campagne, ouais, ça va. Un autre numéro? 4. Les canapés 100% cuir, on est très ameublement, on est très ameublement. C'est la minute, le roi Merlin. Je vois que vous êtes assez cuir quand même. Ouais, c'est vous mon aimez côté bien le cuir. Domina. Ouais, ouais. C'est bien ça. C'était quoi le sujet? Les canapés 100% cuir. Ah, les canapés 100% cuir, attention. Ah, je déteste ça. Pourquoi? Ah, j'aime pas les canapés en cuir. C'est vrai? En ce moment, je recherche désespérément un canapé en flanelle grise. Vous aimez le cuir, mais vous aimez pas les canapés en cuir? Ouais, j'aime pas ça, ça colle aux fesses. Carrément? Oui. Mais pourquoi? Normalement, il y a un pantalon entre vous et le canapé. Bah, tout dépend avec qui on est. Moi, il n'y a pas toujours un pantalon quand je suis sur mon canapé. Très bien. Et je me suis laissé dire que vous non plus. Je n'en dirai pas plus. Un autre numéro? 2. Le 2. Les menus à 12,90€. C'est bien, ça. C'est bon, de temps en temps, ou pas? Oui, ici, je crois qu'il y en a des menus à 12,90€ et c'est pas mal, ouais. Généralement, c'est quoi? Plat, entrée, dessert, fromage? Non, à ce prix-là, on a un plat et un café, hein, on a rien de plus. Hein. Juste plat, café? Ouais, ouais, ouais. Il y a plat, café, il y a aussi parfois entrée, plat, sans et dessert. Il faut qu'elles sont et... c'est le truc qui vous tente? Vous aimez la gastronomie, quand même? Oui, moi, j'aime manger. Donc 12,90€, ça peut être très bien. Ça peut oui, ça peut être très bien. Oui. Ici, je pense qu'à 12,90€, c'est une blanquette. D'accord. Ouais. Un numéro entre 1 et 30? 30. 30, tout en bas. Les chouquettes trop cuites et trop sucrées. Ah non, ça c'est un crime. C'est dommage. Ah oui, non, c'est pas dommage. Ah non, 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 non. Non, la chouquette, elle doit être comment alors? Non, la chouquette, elle doit être bien sucrée à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Tu vois, j'aime bien quand elle colle un peu à l'intérieur. Vous arrivez à vous en faites, vous les cuisinez? Ça va pas, non. Moi, pas je les tout. Achète à la boulangerie à côté. Et je les vous êtes gourmande? Ouais, hyper gourmande. C'est quoi votre péché mignon? Le chocolat. Vous en mangez beaucoup? Énormément. C'est déstressant? Je ne sais pas si c'est déstressant, mais c'est bon. Le matin, je me fais 1 ml de chocolat froid avec du Nesquik, avec plein de grumeaux dedans. Mm-hmm. Et quand j'achète des chouquettes, je me fais un chocolat froid avec plein de grumeaux dedans et je trempe mes chouquettes dans les grumeaux. Et vous êtes plutôt chocolat au lait ou chocolat noir? Chocolat au lait. D'accord. Je ne suis pas une. C'est plus calorifique. Oui, mais c'est bon. Très bien. Bon, c'est le moment de la promo du coup de cœur. Promo, coup de cœur. Promo. Alors, allez-y. Je suis. Je suis avec vous quand même. Hein. Oui, d'accord. Je démarre une nouvelle activité en plus de la télévision qui est le coaching. Et j'ai démarré ça il y a un mois. Et c'est un truc. C'est quoi le principe? Le principe, c'est d'aider les gens à atteindre un objectif, que ce soit professionnel ou personnel. Donc, tu veux trouver un boulot, changer de métier, quitter ta femme, au contraire... Ah, vous coachez les gens pour quitter leur femme? Il y a des gens qui n'arrivent pas à quitter leur femme ou leur mari pour plein de raisons. Donc, c'est un coaching dans la vie en général? Dans la vie en général. Et professionnellement, je fais du coaching en communication. D'accord. J'apprends à prendre la parole en public, à gérer son stress, à gérer les conflits, etc. Comment on vous joint pour tout ça? Sur Internet, isabellebrescoach.com. C'est clair. Le mot de la fin? Love. Tu vois une blonde décolorée et que c'est mal fait, tu dis « Ouh, c'est mal fait ». Non, d'accord. Sincèrement. Ça se voit tout de suite. Mais ça se voit tout de suite, on est tous des mateurs, d'autant plus que tu es marié, Laurent. Tout à fait. Bon. Ouais, sur cette robe courte, oui, moi je m'en fous un peu, je veux dire. Je trouve qu'on n'est pas à l'aise. Bah, ça dépend. C'est pas très beau quand même, je trouve que c'est trop courte, vraiment. Moi, c'est surtout troué, moi.